Nous vivons actuellement une grande période de transformation. Le monde n'est plus celui que nous connaissions et nous ne savons pas exactement encore où nous allons. L'humanité vit un grand virage. Comme toute transformation, celle-ci naît avant tout à l'intérieur de nous-mêmes. Dès les moments où rien ne semble sûr, nous pouvons toujours entrer en dedans. Lorsque l'extérieur paraît chaotique et froid, il y a un monde à l'intérieur dans lequel nous pouvons toujours trouver le calme, le réconfort et l'harmonie. Ce monde intérieur, c'est cet espace sacré auquel nous avons tous accès, un espace sûr, un lieu de totale liberté, un royaume de possibilités. Notre monde intérieur est précieux. Il nous connecte au visible et à l'invisible. Cultivez des pensées positives et lumineuses. Veillez à nos émotions. Honorez nos besoins. Être bienveillant envers nous-mêmes. Ressentir, ouvrir son cœur, aimer, vivre. Quiconque cultive la paix en son monde intérieur fera naître la paix sur notre planète. Celui qui se sent libre en dedans créera un monde de liberté. Celui qui offre amour et bienveillance à toute forme de vie apportera l'harmonie dans le monde. Les transformations sont toujours des opportunités que la vie nous offre. Elles sont des portes entre un monde et un autre, entre un passé et un futur. Quel que soit le changement que vous vivez, l'épreuve, les incertitudes ou les angoisses, rappelez-vous que vous franchissez simplement un pont entre deux mondes, que ce voyage vous fera grandir, qui ouvrira votre cœur et révélera une nouvelle version de vous-même. En chemin, vous découvrirez de nouvelles qualités et forces, de nouvelles pensées, de nouvelles façons de vivre. Notre monde, lui aussi, vit une grande transformation. Puisque nous sommes les cellules de ce monde, nous sommes aussi amenés à évoluer. Le chemin est inscrit en chacun de nous. Dans cet espace sacré du dedans, il y a la lumière pour éclairer nos pas, la carte pour nous guider sur notre chemin. Votre chemin personnel soit lumineux, que vos pensées soient confiantes, que votre cœur soit libre, toujours.